everybody. Welcome to this presentation of the courses we have at ATS and the program we have. I will speak in English because some of your programs, if you are in TC, and most of your program, if you are in LCE, will be in English. So if you don't understand me now, it will be a problem if you come to see us. For this presentation, we will give you an overview of Shanghai, China, ATS, and some of our programs. I will be helped for that with two of my colleagues. Jitka Kolerk, he will present to you two programs for master degrees, and Li Ning will tell you about the TC4 bachelor program. So you already know about UTC, UTT, UTBM, a group of universities of technology who have created an antenna in Shanghai, quite far, not that far, actually, it's only 10 hours of flight, the best days. And so 12 years ago, we created this UTSIUS, stands for Université de Technologie Sino-Européenne de l'Université de Shanghai. So this is UTSIUS. We are based in Shanghai. The photo is outdated. The Tower of Shanghai now, the second biggest tower in the world, should be finished and accomplished now. So as you may know, this group of universities of technology have created a venture with Shanghai University, which is kind of a big university. I will give you some facts and numbers about it just a moment later. And we all belong to big groups for this. Some facts about China. I will try to be brief because we have a lot of information. But just to give you an overview, you might not know about it. So China is a very big country. Here you can maybe see a little 3.8 million urban settlements like cities and villages and stuff. A city is considered a city in China when it raised like 500,000 people. Less than that is not a city. So we are entering a country with a huge number of people, 1.3 billion of people, and who invest a lot for what interests us in engineering, in research and development. And as you can see here, since 2010, they invest more in research than Europe. So China becomes more and more the place to be to understand how research is going, how investments are going, how startups are created. And most basically, if you want to be successful in the world, most of this happens in Shanghai, China, Shenzhen, a bunch of cities in China. That's for China overall. Now for Shanghai, just so that you understand a little more Shanghai. So Shanghai is just like it's just half of the surface of Île-de-France and twice the population. So it's pretty simple. So it's four times more dense. 25 million people officially, should be more like 27 now. So you join a city that is super active with a lot of people, a lot of companies. That being said, Shanghai is pretty huge if you consider the whole network, and Shanghai University is not exactly downtown, so don't expect to be in like where everything happens. You will be in the north, 45 minutes from downtown, using the subway, and just to show you where the airport is. Downtown is basically this area in the middle. That's for overall Shanghai. I mean, you will discover that with videos and pictures later on. And so in Shanghai, we are partnering with Shanghai University. Shanghai hosts a lot of universities, like top universities in the world. You have Jiao Tong, you have Fudan, you have Tongji University. Shanghai University is more like a provincial university, provincial for a province of 25 million, of course. So still pretty big. Top 35 in China, various grading. 40,000 students. So you will not be alone. There is approximately 4,000 foreign students at all time, so you will be a small part of it. And they, like this university, they have several campuses. One of it is new for the art, I guess. So you will be located in Baoshan in the north, for the main campus, where this is a library, and this is kind of what the main campus look like now. So Shanghai University expect to be top 100 in 2050. And it's a model for provincial universities in China. And it will allow you to also discover Shanghai as a global innovation center.
That's for Shanghai University. So if you zoom in again inside Shanghai University, you will see ATSEAS, which is one of the faculty inside Shanghai University. There are plenty of faculties like American universities. And so we are just one of us, just one of them, ATSEAS. So this school hosts many programs. The main program is for Chinese students that you have seen here in UTBM, I guess. And they have a bachelor there, so we have some facts and figures about it. It's just that you did just to give you an overview, there is 250 students per year. So at all time over there, we have something like 1,000 students approximately in ATSEAS, and they do various courses, and they have some they have this kind of a full kind of major. That's it for ATSEAS, mainly for Chinese education, and you will join, if you are in bachelor, if you are in TC, you will join these students. So this is the main campus of Shanghai University. You cannot see that a lot, but the campus is pretty big, and we have a new building starting this 1st of September. So for those of you who will join us in spring, you will be welcome in a new building, which is pretty comfortable compared to the previous one. And last but not least, just to continue on the DNA of the programs that we offer in ATSEAS, we try to remain innovative. We try to capture the innovations and things that happens in Shanghai, which is super dynamic. And for that, we also partner with a lot of companies, as any universities, but we have some big names that we collaborate with that are in different, in various areas of industries, from energy to IP, Decathlon. We have many partnerships, and we will try also to give you to make you visit that and to give you an overview of these companies. We have many industrial professors, people who come from companies who will show you, who will teach you, who will explain to you how they do business there and how you can create, how you can be an engineer in this environment. So now, to focus a little more on ATSEAS itself, we have four programs at all time in ATSEAS. These four programs, one is for you. I'm speaking to the TC4 here. Of course, the LCE, if you are in master degree, you have two programs for you. The Chinese Engineer is the program for Chinese students, and the three others are, the two first are for master degree, and Science and Humanities in China is for bachelor, so TC. So just to show you how it's organized, you have 5 years to do your studies here. You can also do your postgraduate, and basically, this is the Chinese students do 3 years in China, and then they come to the UTs or continue to China for one more year. TC, you can stay in year two, and then you have the programs LCE for Master 4, Master 5, and postgraduate, and International Engineer, which is only in autumn. So it's like next year. And to give you a better overview of LCE and IE program, I will give the mic to Jessica Koller. So how many of you are already in a branch here? Okay. And do you come for these two potential program, LCIE and IE programs, or you don't know yet? Okay, so about seven people. I'm gonna introduce you first the program LCIE, which is focused on the teaching of language, Chinese language, of course, Chinese culture, but mostly innovation and entrepreneurship. So that's for students who want to, at the end of their studies, of engineering studies, wants to practice as much as possible innovation, entrepreneurship. We have designed a specific program with a lot of entrepreneurs in Shanghai, both French, also Chinese and international. Also many international people are coming at UTSEUS to teach to engineers to know how to create their startup. Actually, it's not pure science, it's more experience sharing,
what they did wrong, what they did good, how to behave in an in international environment, especially in China. So it's really advice sharing and mentoring about innovation and entrepreneurship. The goal of the semester is to let you practice innovation entrepreneurship. I don't know why it doesn't work, but but anyway, at the end of the semester, you have to pitch your concepts in front of many experts and potentially investors, a lot of entrepreneurs. So they come in Shanghai to see what is your approach of entrepreneurship. It's really interesting for also for entrepreneurs to meet you as young engineers to see what is your way of thinking. So it's really a sharing program between different actors, different players in the ecosystem of business innovation entrepreneurship. Mostly the students who joined this program at the end of the semester, they said that it was a life experience. They mostly discovered themselves, and also they discovered a new world, a new potential world where they can improve themselves and develop their skills. So this is a short video to see mostly some students during the sessions. It's really active. It's really it's more similar to coaching sessions. A lot of exercise and application of your own projects. Yeah. So that's the final pitch. At the end, some UTBM students are on the picture. It was last year. We are not in this program in entrepreneurship, especially, you're not going to be in classrooms a lot. You're going to be more in co-working spaces in the downtown. So it has to help you to meet people, discover a real ecosystem, real place where entrepreneurs are working. So this program has been created in 2 years ago. We had 60 students during the five last semesters. We did a little survey at the end, and 77 people students want to probably stay or come back in China in the future. So that's a good sign. It's also a program that will give you credits for your studies. So potentially, actually, at the end of the semester, you have a grade, you have all the grades and so on. And depending if you are in the gap semester or exchange semester, you can have credits for your studies in UTs. So 50%, very important, 50% of the courses are given by external lecturers, not professors, not academic, but professionals and entrepreneurs, in addition to the academic professors like Samuel Gomez, who's coming. And in this program, you have much more social sciences entrepreneurship courses than language and scientific knowledge, but still you have scientific knowledge that I will show you after. We designed this program really for you to have an ecosystem, so it's gonna be it is very useful for you to get a network, professional network for after. It can be mentors, but also future partners. So that's why we make sure during the selection that you are mature enough, that you know you have a real project to handle, and that it would be useful for you to come in China to spend 6 months, actually 5 months, in a very intense and dynamic environment. So you can see that there are a lot of people in the entrepreneurship in red, entrepreneurship club. They are all entrepreneurs. In innovation on the right in blue, you have about 50% of academic teachers from UTs, from SHU, from China University.
and also some professionals. In this program, you have also one coach in project management to follow all your semester in terms of project management, and some teachers, both from the academic and professional, to teach you about the Chinese culture and language. So overall, the calendar of this semester is you won't have very regular course in all the courses, but some very intense seminars and workshops. The in blue it is the workshop in innovation. One of it is with designers, and one of it is with Chinese students in electronics. And at the end, you have to present your project at the CES. I don't know if you know the CES in Las Vegas. Who knows the CES, the Consumer Electronics Show in Las Vegas? It's a huge event in the world, and actually in Asia, there is one CES, which is growing a lot, and we have the chance to host it in Shanghai. So we go there, and the students have the chance to have a booth to present their project and really to meet the partner, potential partners, investors, and so on, also to test their concepts. So they do some surveys right on the events. One important thing also for the language culture, but it's linked also with innovation and entrepreneurship, is the study trip, because we are going 1 week in Shenzhen, which is now the real spot in China mostly for hardware development. You can find all the type of factories that design everything in the world. I think maybe more than 70% of our things here maybe are designed, manufactured at least there, but now more and more designed there. So it's really interesting to go there. We spend 1 week there and to discover, to meet the different players there. And you have also Chinese Mandarin, entrepreneurship class, innovative project management during all the semester. This is the curriculum, the list of courses that you can attend. There are some which are optional and other compulsory. For the compulsory, you have to attend the Chinese Mandarin class. That's very important to be able to communicate with local people, of course. And you have compulsory courses in innovation and entrepreneurship. For the rest, it's mostly optional, and during your application, you have to fill what you want to attend. In addition to all the courses, there are cultural activities to understand Chinese arts, culture, and also some companies visit to see the ecosystem. Like, we can go in incubators in Shanghai, we go in factories, and so on. So it's about 25 students, which are UT students, but also university partner students. For example, in Paris, UPMC, Université Pierre et Marie Curie, there are students coming from these universities, and some professionals. And mostly, actually, it's former students from UT who are interested to come to spend 5 months in this semester, in this program, to get updated with all the innovation and entrepreneurship, and really to develop their own projects. So we had already one UTC student coming last year. She was 10 years in L'Oréal in research and development, and she spent the semester in this program to develop her own projects. Yeah, so that's one of the seminars, the workshops that are hosted in this program. This is multidisciplinary. That means that all kinds of engineering are attending the same workshop. We mix everybody, and also we mix designers from a design school in Shanghai. They are all, of course, master level. And we have some partners involved in this seminar every year.
The goal is to make everybody practice the innovation process using sensors and by also manipulating data. So it's all about getting some data from the sensors and create a new service or product. So we have the support also of some other counterpart schools, and last year it was sponsored by the Ambassade de France en Chine. And one of the second, these are examples of workshops that are in these programs. It's really intense. So this one is 36 hours, and it helps you to build your prototype, your MVP, minimum viable product. It's led by Samuel Gomez, that I want to invite on the stage to present a bit this workshop. Probably you know me already, because I'm Professor Samuel Gomez. I'm the head of Mechanical Engineering and Design Department here at Sevenan, you know. And I was invited by these very nice persons to come to make these lectures in Shanghai University in Yuzhou. And they asked me, hey guys, you have very great experience in building products in Belfort-Montbéliard, University of Technology, why not coming and helping the other students of the other UT to make some innovative products? So I started this module 2 years ago, and the purpose is to say, okay, we have a need. On Saturday, here's the need. Don't know quite any ideas. We have a little idea of the market. But 6 days after, we need an MVP. An MVP is a minimum viable product, integrating some hardware, some parts, mechanical parts, some electronics, Arduino, Raspberry Pi 2, etc., etc. And also some apps on the smartphones, communicating with the cloud. So we need some computer science skills. We need some mechanical engineering skills, and we need also some electronics. And this is a very great challenge, because I have to teach them some methods to make innovation. I have to teach them how to select, not to find solutions, but to select something like one or two solutions among 100 that they can generate easily. How to communicate between different various stakeholders, not coming from the same department, not the same background. And the finality is to make a prototype. So there are, in the 6 days, there are something like 2 days, 3 days, 2 days of understanding the means and the methods, 2 days of trying to apply, and the last 2 or 3 days to making the prototype, going to the fab lab, make the prototype, testing, etc., etc., etc. I will show you a little presentation of one of the first projects I've managed, and then I will give you a little story, because the second project was quite interesting in terms of history. Why did he create this project? You have the video? Okay. It was the first example. You have the sound? Children's lungs, immune systems, and brains are immature at birth. They are extremely sensitive to external aggressions. Indeed, the development of children can be hindered by pollution. Parents want to protect their kids. We consider that it is our mission to protect children, because only too few solutions exist nowadays. In the last 36 hours, we have been working to develop an innovative concept. We are proud to introduce Binky. The Binky box is composed of a highly silent fan, a filter to remove pollution and ambient air, LEDs to inform about pollution and when the filter has to be changed, a Raspberry Pi board, and sensors. Safe and sound.
have time for two of them. Justine also wants her to sleep in a pollution-free environment. To that end, she has equipped his crib with an anti-pollution net. She can easily remove the biggie box from the stroller and place it in the designed spot under the net, where it can start delivering fresh air to Thibaut. All Binky users have access to the Bink app, which gathers pollution information. It sends notifications to the parents and helps them spot cleaner places in the area. The Binky box is not just a product, it's a way of life. We have to know children, they are our future. By having a Binky box, you're not only protecting your kid, you're also helping everyone else protect theirs. Okay, this was a little example of one of the very early ones, because then after it was the first steps, then later during 3 months later, they started going more in details in the product, better design, because it's a kind of wood box, but it's because there are only this kind of laser cutting on wood. That's the reason why we have this. And then they optimize the design in order to obtain something better. The second little history I want to tell you, because she was the beginning. Now, one semester later, I was a little history to tell you. They have initial project. I don't want to give the details on the project. So I arrived on the campus on Saturday. And while I go for the parking with my bicycle, I was shot by a scooter, you know, electric scooter, no noise. And I fall down. I have little things on my knees and my feet, okay? And I fall down. And the students decide to change the subject. If you have this accident because of the needs. And they change completely, and they develop a new product, which is a helmet for bicycle with some lights, with no buttons, but only by kind of machine learning softwares to learn the trajectory, the different trips you have to do, etc. By having this with the GPS, with the APP, he knows only by moving your head, he knows that you are usually coming there, so make the lights, you're stopping very fast, you don't need any buttons. That was the idea. And then 6 months later, we find something similar in a CES and have some product with some prices. So the idea was good. So that was the little story, because they changed it and we obtained a very nice product. From my point of view, the product is quite finished. With they buy a helmet from bicycle and they make the modification and change a lot of things inside. So that was the two testimony I want to tell you with this program. I want to show you probably the kind of Excel file of the program that you can have an idea of what we're doing during this 1 week. Yes, I don't know if you are, it's big enough. Probably, okay, so give you, we are starting on Saturday, so starting with working. And on Sunday, they still have to think about their needs, there are still some to work together. And then we have some lectures, you see some lectures. Then you have some workshop. We have joining some Chinese student from the computer science and communication department. It's very easy for them to buy some components in the market, you know, and easier than for the French students. And then finally they join together and they can try to work in the workshops. And you see there we have Xin Shijian Fab Lab or Code Banker. That's the time where they can go straight in the Fab Labs downtown in order to have the professionals and to have some experts and to obtain all the materials they need, the components and also the machining tools in order to make some rapid prototyping, some laser cutting and different milling, etc., etc. That was my little experience as professor from UTBM to teach to these students coming from various UT University of Technology and also from Shanghai University how to make creativity, innovation, and obtain IoT, Internet of Things product with hardware, electronic components, sensors, actuators, and also the communication to the cloud, and finally the app on the smartphone. And all this only in 6 days. A very practical workshop to help students to develop their products. But before that, of course, they have to figure out
that there is a need on the market, and then go back with the product on the market and test it with real users. That's the way, I don't know if you know already the startup, the lean startup methodology, but that's really the way we are using it. We are developing the project of the students during all the semester. And at the end, we hope that some students get confident to develop their own projects. The goal is not only to create your startups, it's really to for you to spend a time in a different place than you used to be in, like in France. You are completely out of your comfort zone when you are in China, and you can get more ideas, more creativity, of course, because to change environment stimulates your creativity, and we think that it's a very good chance for you to get involved in this program. All the program is in English, and you have to have a minimum level of English. I'm going to introduce now the second program. So the LCIE program is proposed in a spring semester every year. So the applications are now and until November, mid-November. The second program, which is International Engineer, is open only in autumn semester. So it's different from LCIE program. It's also created last in the last year, so in 2014, quite recently. We had several students from UTs and other partner schools. It's mostly for exchange students, so you get 30 ECTS credits minimum, and such as the other program, you get a diploma from UTs, so from UTC now or from UTBM. You have a list of lectures that are mostly optional, and it's focused on mostly project management, because at the end of the semester, if you want, at the end of your studies, you're going to do your final internship, UPFE, TN10, I think, in UTBM. ST50. And the needs, if you want to stay in China, mostly most companies are looking for engineers that are able to handle projects. So that's the real focus on this program, is to help you to handle different kind of projects, mostly for industries, for industrial companies. So the courses are risk management, maintenance management, quality, also life cycle engineering and eco design, how to develop a new product taking in account most criteria related to also sustainable development. And also you have other courses. One course that is really important in this program is data science that Fabien is giving. So data science, advanced visualization and cartography, but also introduction to data science and machine learning, because we really think that all of you, even if you are in mechanical or material science or industrial system, you should have some understanding of what is data science and what are the different kind of data science work. Because it's going to affect, it's going to impact a lot of different companies and jobs in the future. So that's it. You have also a lot of lectures given by professionals and researchers in this program. So there are 25 students, or a bit more. Currently, there are 29 students in Shanghai that are all run in this program. This is to explain you that you can actually add up a lot of experience in China by choosing different programs, or by doing also an internship after the one of the two programs, LCIE or IE. So if you want to apply to the spring semester 2018 in LCIE, you can choose to do your internship in China. We help you to get the visa, because it's the difficult part.
in China is to get a visa, a proper visa. But we help you to get the visa to do a 6-month internship in China. Or you can choose to stay one more semester in IE program. And then, if you want, do an internship. Or you can also join next year, in 1 year, the IE program and do your internship and so on. So it's quite modular at UTS for the students in the branch. One of the strengths of the two programs I just presented is the network with companies, because during these two programs you have you can go in on-site, you can go in different places, companies to get on-site courses, but also visit some factories, get some conferences from experiments from experts, and also do a lot of projects within the companies and with the with the companies. These are some examples of our partners. So now, if you have questions, we maybe take some time after the presentation. I'm gonna give the mic to Ning. Bonjour, je m'appelle Ning. Je m'occupe du programme Sciences et Humanités en Chine avec mon collègue Fabien. Ce programme, on l'appelle aussi DC4. Je commence par vous présenter le formulaire d'inscription. Avant, on a demandé aux étudiants de faire l'inscription, de remplir des formulaires à la main. Cette année, on fait un changement. Cette année, on commence à vous demander de remplir le formulaire d'inscription en ligne, soit sur SurveyMonkey. Donc, quand vous remplissez ce formulaire, il y a des points à signaler. Le premier point à noter, c'est quand vous remplissez la date de naissance, il faut dans l'ordre année, mois et après la date. Parce que cette information, vous attendez à l'Université de Shanghai pour votre lettre d'admission. Donc, si vous faites une erreur, ça va influencer votre lettre et votre visa. Donc, il faut remplir comme ça. Et deuxième point, c'est information des contacts quand il y a une urgence. Par exemple, le semestre dernier, on avait des étudiants qui étaient malades et blessés et on avait la difficulté à contacter leurs parents. Donc, ces informations sont aussi très importantes, il faut bien remplir. Et le dernier point à signaler, c'est quelle est votre spécialité et branche, vous êtes encore en tronc commun, ça c'est pas très grave, vous pouvez remplir la branche que vous allez choisir. On vous demande cette information seulement pour la lettre d'invitation, la lettre d'admission de l'Université de Shanghai. Ici c'est le QR code du formulaire d'inscription sur SurveyMonkey. Vous pouvez scanner maintenant en fait. Et la date limite pour l'inscription, ce sera le 15 novembre. Pour DC4, mais aussi pour le programme LCE. C'est bon? Ok. Il vous sera transmis par les relations internationales, de toute façon. Oui, oui. On va vous envoyer ce formulaire très bientôt et vous pouvez prendre du temps pour bien remplir après. Ça, c'est le calendrier. Vous savez, la fête la plus importante en Chine, c'est quelle fête? Est-ce que vous connaissez? Oui, c'est le Nouvel An chinois, mais la date de Nouvel An chinois change chaque année d'après le calendrier lunaire. Donc l'année prochaine, le Nouvel An commence très tard. La date est le 16 février. Et après, la date de la fête des lanternes sera le 2 mars.
Pendant cette période, pendant ces 15 jours, ce sont les vacances pour les Chinois, pour le Nouvel An. Pendant cette période, tous les Hollandais en Chine, les gens ne travaillaient pas, les agences, les entreprises sont fermées. Donc, on recommande de ne pas venir très tôt, ne pas venir pendant cette période, parce que vous aurez la difficulté à trouver les hôtels et aussi le logement. Donc, la date de la rentrée sera le 1er mars. On vous propose de venir le plus tôt à partir de la semaine du 26 février. Oui. C'est où vous allez arriver très tôt, vous aurez la difficulté pour tout, même pour le logement, parce que vous devez signer le contrat avec des agences et à ce moment-là, les agences ne travaillent pas. Oui. Après la rentrée, le cours va commencer à partir du 5 mars. Ce programme Sciences et Humanités en Chine pour l'année prochaine, ça se divise en trois périodes. La première période, on donne plutôt des cours intensifs du chinois. C'est aussi un nouveau changement pour ce programme parce qu'à ce moment-là, on n'aurait pas de cours scientifiques. Donc, on donne des cours du chinois au moins 2 heures par jour. Donc, vous pouvez bien renforcer votre chinois au début de ce semestre et ça va beaucoup faciliter votre séjour pendant tout le semestre. Et cette période va durer 3 semaines. Et après, c'est la deuxième période qui dure 10 semaines. Vous aurez des cours scientifiques mixtes avec les étudiants chinois. Et ces cours sont donnés par des profs de 3UT, mais aussi quelques profs viennent de l'Université de Shanghai qui parlent. Le prof qui vient de l'Université de Shanghai parle anglais et tous ses profs de l'UT donnent le cours en français. Et tous ces cours, vous allez au cours avec des étudiants chinois. Et troisième période, l'année prochaine va durer 4 semaines. Pendant cette période, ce sont plutôt des cours sur sciences humaines et ces cours vont donner par plutôt des entrepreneurs à Shanghai. Ce sont plutôt des étrangers qui ont beaucoup d'expérience et ces cours sont en anglais. Et cette période dure 4 semaines. La deuxième période et la troisième période, comme vous aurez beaucoup de cours, donc on ne vous donne pas beaucoup de cours de chinois, mais au moins 2 heures par semaine. Okay. Le cours du chinois, dans le formulaire d'inscription, vous allez faire un choix de niveau de votre chinois. Pour vous, quel est le niveau de votre chinois débutant? Ce sont plutôt des débutants? Est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui ont un niveau intermédiaire, voire avancé, qui ont suivi 2-3 UB en chinois? La majorité d'entre vous, c'est vous avez suivi une fois ou 0. D'accord. Donc, avant de venir en France, j'ai discuté avec notre collègue qui s'appelle Ryo Zhang, qui est responsable du cours de chinois, et je l'aide. Donc, on a discuté. Donc, on va vous diviser en 3 niveaux, débutant, intermédiaire et avancé. Comme la plupart d'entre vous sont des débutants, on n'aura plus de cours débutants, on n'aura plus de classes débutants. Vous avez fait une UV, vous êtes en A1. Oui. Si vous êtes très bon dans cette UV, en élémentaire. Oui. OK. Shanghai est une ville très grande, très dynamique. Il y a beaucoup de choses à découvrir. Mais avant de votre départ, il faut bien préparer.
D'abord, c'est la préparation en France. Le billet d'avion, bien sûr, si vous l'achetez plus tôt, c'est beaucoup moins cher. Le site que vous recommande, c'est ctrip.com. C'est un site le plus utilisé par les Chinois pour acheter les billets et aussi pour réserver les hôtels. Et le visa, quand vous allez demander le visa, il faut faire attention, il faut bien vérifier si votre passeport sera encore valide jusqu'à la fin de votre étude, ça veut dire sera valide jusqu'au juillet 2018. Pour l'assurance, ça c'est très important. Quand vous arrivez à Shanghai, l'université de Shanghai va vous oblige à acheter une assurance chinoise. Mais cette assurance n'est pas très utile. Cette assurance ne vous prend qu'en charge quand vous êtes dans des hôpitaux publics chinois. Dans ces hôpitaux, c'est pas cher, mais comme il y a trop de Chinois dans ces hôpitaux, donc les docteurs, les infirmières ne peuvent pas bien s'occuper de vous. Et l'autre problème, c'est qu'ils ne parlent pas anglais. Donc si, par exemple, un jour, vous aurez une maladie grave, vous allez vous inquiéter beaucoup parce que vous ne pouvez pas communiquer avec eux. Ça, c'est pourquoi Fabien et moi et Jessica, on recommande d'acheter une assurance française. Vous avez déjà une mutuelle ou une assurance en France, il faut bien vérifier, il faut contacter la compagnie d'assurance pour voir comment ça marche cette assurance en Chine. Et il faut bien demander quand vous aurez des problèmes en Chine, il faut donc contacter qui et leur horaire, tous les détails, il faut bien vérifier. Parce que l'autre problème, c'est qu'on aura beaucoup d'étudiants l'année prochaine, on aura 96 étudiants. Donc, si vous avez des problèmes, par exemple, vous êtes blessé ou malade, ce n'est pas possible qu'on s'occupe de vous un par un. Oui, donc il faut bien vérifier l'assurance. Et pour le climat, en été, il fait super chaud à Shanghai. Il est toujours humide pendant toute l'année. Comme il est très humide, il fait froid aussi à Shanghai en hiver. Dès que vous arrivez en Chine, notre collègue Madame Isabelle Shen va vous aider pour trouver le logement. Vous avez deux choix. Ou dans le centre-ville ou près de l'université. Bien sûr, au centre-ville, c'est pratique, il y en a tout. Shanghai est une cité magnifique. Mais le problème, c'est que ça coûte trop cher et c'est très loin de l'université. Parce que tout à l'heure, Fabien vous a déjà montré, l'université est quand même un peu loin du centre-ville. Donc, on vous recommande de prendre une chambre d'un appartement près de l'université. Ce sont plutôt des appartements près de la porte ouest de l'université, qui n'est pas loin de l'université du tout. Vous pouvez aller à pied, en vélo, et c'est très pratique. Près de ce quartier, il y a des restaurants, la poste, la banque, il y en a tout. Et aussi, ce n'est pas cher du tout. Par rapport, c'est quand même cher à Shanghai, mais par rapport au centre-ville, c'est beaucoup moins cher. Oui. Donc, la première fois quand vous... Donc, normalement, c'est vous allez signer un contrat avec une agence. C'est une agence trouvée ou par Isabelle ou par un étudiant chinois qui va vous aider. Donc, quand vous trouvez un appartement, signez le contrat et après, vous devez payer la première fois beaucoup d'argent en liquide. Donc, il faut bien préparer. Vous allez payer un tiers de loyer d'un mois comme, pour le service de cette agence qui vous a aidé et aussi un mois de loyer comme la caution et trois mois de loyer ou de temps en temps cinq mois ou six mois de loyer, tout d'un coup. Donc c'est beaucoup.
il le faut bien préparer. Ok. Avant, je savais qu'il y a des anciens étudiants qui n'ont pas ouvert le compte chinois. Avant, ce n'était pas très grave, mais maintenant, on pense que c'est mieux que vous allez ouvrir un compte bancaire chinois parce que maintenant, en Chine, on paye rarement en liquide. On paye toujours avec des applis, souvent tout, ou Alipay ou WeChat Pay. Même on achète un petit truc qui ne coûte pas cher, même un euro, moins d'un euro, on paye par ces applis, mais pas en liquide. Mais Alipay et WeChat, toutes ces applications sont liées à un compte chinois. Donc c'est mieux si vous allez ouvrir un compte bancaire chinois. Et ces cinq banques, ce sont les cinq banques les plus grandes en Chine. Vous pouvez trouver ces banques partout dans la rue, à Shanghai. Même à Paris. Bank of China. Ah, uh-huh, d'accord. Et la communication. En Chine, maintenant, tout le monde a l'appli WeChat pour communiquer. Vous pouvez envoyer des messages, vous pouvez appeler quelqu'un. Ça, c'est très pratique et chacun a une appli WeChat. Ça va beaucoup faciliter votre communication, non seulement entre vous, mais aussi entre vous et nous. Par exemple, s'il y a des informations très importantes comme l'examen, je vous envoie quand même des emails, mais pour les petits sujets, je vais créer, ou Fabien ou Jessica va créer des groupes WeChat. Tout le monde, pas tout le monde, les gens qui s'intéressent à ce sujet, on va parler, on va communiquer dans ces groupes. Donc ça, c'est très nécessaire si vous allez vivre en Chine. La mobilité, c'est très facile pour aller à l'Université de Shanghai. Vous pouvez prendre la ligne 7 et autour de l'université, il y a trois stations de métro. Vous pouvez voir ces deux stations. Et pour la distance, pour la courte distance, depuis l'année dernière, les vélos partagés commencent à devenir très populaires en Chine. Ce sont plutôt deux compagnies. D'abord, c'est Ofo. Ce sont des vélos jaunes. Et l'autre entreprise, c'est Mobike. Ce sont des vélos dans cette couleur. Vous pouvez regarder cette photo. Et ça, c'est très pratique parce que c'est partout. Vous pouvez les trouver dans la rue, dans le campus. Vous pouvez le voir tout dans la rue. C'est très pratique. Donc, pour aller au cours, pour aller manger, vous pouvez prendre un vélo. Ça va économiser beaucoup de temps. Mais Ofo et Mobike, tous ces applis sont liés aussi à un compte chinois. OK, c'est tout. En fait, il y a peut-être vous avez encore des questions. Donc, quand j'aurai votre formulaire description, j'aurai votre email, je vais envoyer chacun un fichier FAQ et guideline. Dans ce fichier, vous pouvez trouver toutes les questions à répondre en détail. Donc, si vous aurez encore des problèmes, des questions, vous pouvez consulter ce fichier. Sinon, vous pouvez aussi nous écrire pour nous demander plus de questions. Merci. Mettre juste une petite vidéo de Shanghai. Pendant qu'il y a la vidéo, si vous avez des questions sur le programme, sur les programmes, s'il y a des informations pratiques sur lesquelles vous avez des doutes, les visas, tout ça, on est à votre disposition maintenant pour répondre à vos questions. N'hésitez pas.
pouvez essayer d'aller à Paris. Normalement, il y a une Bank of China à Paris. Je ne connais personne qui a essayé d'ouvrir son compte sur la Bank of China pour la Chine. Normalement, vous le faites en arrivant parce que pour avoir un compte en banque chinoise, vous avez besoin d'un visa. Donc, vous devez d'abord récupérer votre visa pour demander le compte en banque chinois. Sinon, vous pouvez aller chez HSBC qui peut ouvrir votre compte à l'étranger, mais il faut un niveau de revenu pour HSBC qui n'est généralement pas dans vos cordes. Ceci étant dit, ça se fait facilement d'ouvrir un compte en Chine. À partir du moment où vous avez un visa, c'est très facile d'ouvrir le compte. Et vous serez aidé sur place, par nous déjà, et par des étudiants chinois qui font un genre de parrainage. Ils vous accompagneront pour vous aider à ouvrir ce compte. En général, vous y allez en une heure, vous avez la carte. Enfin, vous avez votre carte en sortant de la banque, quoi. Que vous mettez tout de suite dans Alipay ou dans WeChat pour pouvoir payer le vélo en repartant. Alors, pour les vaccins à Shanghai, c'est une très grande ville, il n'y a pas besoin de vaccin particulier. Le seul conseil en termes de vaccin, c'est si vous comptez vous déplacer dans des zones rurales, auquel cas on vous conseille de faire le vaccin pour l'hépatite B. C'est à peu près tout. À Shanghai même, on n'a pas besoin de vaccin, c'est une très grande ville. Il n'y a pas de souci de particulier. Sauf si vous êtes... On a eu un cas d'un étudiant qui était asthmatique et qui avait des difficultés, qui a eu des difficultés à respirer. On a eu un seul cas en 4 ans, je crois. Après, on a eu un cas aussi, une étudiante qui est venue avec son vaccin de France et qui cherchait en fait un médecin pour lui faire, mais c'était vraiment pas une bonne idée. Donc, faites-le vraiment avant de partir. C'est compliqué à faire. Enfin, c'est pas compliqué de se l'injecter, mais. Autre question, n'hésitez pas. Hein. Si vous avez des doutes, profitez-en, on est là. Donc, oui. Comment ça se passe pour Internet? Ben, raisonnablement bien. De quel j'ai pas entendu, pardon. Alors Facebook ne marche pas. Facebook, Twitter, Google, YouTube ne fonctionnent pas en Chine. Pour le faire fonctionner, il faut avoir un VPN. Normalement, vous avez un VPN avec votre université qui vous met à disposition un VPN. Si vous utilisez le VPN de votre université, vous pouvez accéder à Facebook via l'université. La plupart des étudiants qui sont en Chine achètent un VPN. Il y a plusieurs VPN comme ExpressVPN, c'en est un de ceux qui marche bien. Par contre, vous ne pouvez pas les acheter en Chine parce que la Chine essaie de fermer tous les VPN. Donc, quelle sera la situation avec les VPN? Est-ce qu'ils prévoient vraiment... Ils prévoient de bloquer absolument tous les VPN. D'ici là, ça aura changé. Pour l'instant, ExpressVPN, ça fonctionne, mais si vous voulez communiquer avec vos familles et que vous souhaitez échanger, on vous conseille de faire installer WeChat à votre famille aussi. Déjà parce que ça marche très très bien en Chine. La vidéo passe, moi je fais du vidéo chat dans la rue ici en 4G avec WeChat, avec la Chine, ça marche très bien. Pour les comptes Gmail, évitez, les comptes d'université normalement ne sont pas bloqués. Si vous avez vraiment besoin d'un email, vous pouvez ouvrir un email sur un compte chinois, par exemple 163.com, c'est un 163.com, c'est une des plateformes de mail qui passe bien. Dans une mesure générale, évitez juste d'avoir un compte Gmail. Évitez de nous donner un compte Gmail parce que si on vous envoie des infos dessus, c'est possible que ce soit bloqué. Des fois, c'est pas bloqué, des fois, c'est bloqué. Des fois, c'est ouvert de 2h à 3h du matin, on ne sait pas. C'est très facile d'accéder à Internet en Chine tant que c'est des services chinois. À partir du moment où vous voulez des services étrangers, vous entrez dans une zone grise où des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Et ça progresse vraiment très, très vite. Généralement, il y a des services chinois. Il y a des services chinois pour presque tout ce que vous voulez, il y a des services chinois. Il y a l'équivalent, voire mieux. WeChat, c'est absolument phénoménal. C'est sans équivalent chez nous.
Ça couvre le paiement, ça couvre la messagerie. Ça couvre Uber. Ouais. Yes. Abonnement téléphonique et tout, c'est là-bas aussi. Alors, sauf si vous avez un bon plan pour être en roaming là-bas, mais les abonnements téléphoniques là-bas sont à peu près dans les mêmes gammes de prix que ce qui est possible ici. Tout le monde a un abonnement data parce qu'on est tous, on utilise tous les téléphones pour les applications Internet, donc c'est très très développé et c'est pas du tout un souci. Pour avoir une carte SIM en Chine, vous avez juste besoin d'un passeport et vous repartez avec la carte SIM. Peut-être le point passeport. Et vérifier qu'il s'est bien 6 mois de validité. On vous invite à vraiment vérifier par contre sur le passeport, qui est vraiment, comme son nom l'indique, permet de passer les ports. Vous ne rentrerez pas en Chine avec un passeport qui échoue avant juillet 2018, on ne pourra pas vous faire entrer. Donc si vous n'avez pas de passeport, parce que vous êtes mineur pour l'instant et que vous attendez votre passeport dès que vous serez majeur, ça a été le cas de certains étudiants. Si vous avez besoin de le faire refaire, faites-le au plus vite. On a besoin de votre nouveau numéro de passeport pour le 15 novembre pour pouvoir faire vos lettres d'invitation. Lettres d'invitation qui seront fabriquées par SHU. Après, on vous les retournera. Avec cette lettre d'invitation et votre passeport, vous irez faire une demande de visa. D'accord ? Une fois que vous aurez ce visa, vous pourrez rentrer en Chine. Il y a deux types de visas pour rentrer en Chine. Vous pouvez demander un simple entrée ou un multi-entrée. Le simple entrée vous permet d'entrer en Chine et de ressortir de Chine une fois, simple entrée. Si vous voulez faire du tourisme, c'est le cas de certains étudiants, pas tous, qui veulent en profiter pour découvrir l'Asie, aller en Corée, Japon, Vietnam ou ailleurs, il vous faut un multi-entrée parce que vous devrez sortir de Chine pour y retourner. Ça se demande au moment où vous demandez le visa. On peut le transformer quand on est en Chine. Le mieux, c'est de nous l'indiquer. Dans le formulaire, on vous l'a mis, la dernière ligne du formulaire d'inscription. Ça a changé. La dernière ligne du formulaire d'inscription, c'est est-ce que vous voulez un simple entrée ou un multi-entrée ? Ne prenez un multi-entrée que si vous comptez vraiment l'utiliser. C'est plus simple de tenir un simple entrée. D'accord ? Mais si vous prévoyez déjà, avant ou après, de vous rendre dans un autre pays que la Chine, de rentrer en Chine et d'en sortir, prenez un multi-entrée. Essayez de prendre un multi-entrée parce que des fois, ils refusent les multi-entrées. Donc, dans une mesure générale, prenez un simple entrée si vous ne comptez pas vous déplacer. Il y a largement de quoi faire en Chine continentale déjà. Si vous souhaitez sortir, vous pouvez essayer. Juste signalez-nous parce qu'il va falloir qu'on modifie la lettre d'invitation en conséquence pour vous préparer une lettre d'invitation pour un multi-entrée. Voilà. Et en gros, du coup, une fois que vous avez votre visa, vous vous rendez en Chine à la date que vous souhaitez, pas trop tôt avant le 1er mars. Voilà. Et à partir du 1er mars, le jour de la rentrée et juste avant, on vous aidera, des étudiants chinois seront là, des personnels des UT seront là pour vous aider à trouver un appartement assez rapidement, ce qui nous occupera généralement la première semaine. Donc vous aurez cours de chinois le matin et recherche d'appartement, banque, téléphone l'après-midi. Et après, on enchaînera sur du chinois intensif sur le reste du mois. C'est clair sur le calendrier, sur... Pardon. Non. Prenez une copie dans votre téléphone. Si vous voyagez en Chine, vous avez votre passeport avec vous. Dans la vie quotidienne, non. Mais de toute façon, pour prendre un train, vous avez besoin de votre passeport. Si vous allez dans un hôtel en Chine, vous aurez besoin de votre passeport parce qu'il y a l'enregistrement police. On n'a pas parlé de l'enregistrement police. À partir du moment où vous avez un logement, donc Ning vous a dit, le logement, c'est un tiers du prix du logement en frais d'agence, plus, généralement en Chine, on paye entre 1 et 3 mois d'avance, plus un dépôt qui peut être entre 1 et 2 mois. Donc, le maximum qu'on peut vous demander, c'est 5 mois. 3 mois d'avance et 2 mois de dépôt. Ça se négocie, des fois ça ne se négocie pas. Juste prévoyez que ça peut avoir une somme conséquente d'argent à sortir d'un coup. Il faut juste être prêt. OK ? On veut vous prévenir. Une fois que vous avez signé votre logement, quand vous arrivez en Chine, vous allez aller à l'hôtel, on va vous donner une feuille rose qui est votre enregistrement police. Quand vous aurez signé votre logement, vous devrez vous signaler à la police pour dire que vous êtes dans un logement maintenant. Donc vous devrez y aller avec votre précédent enregistrement, qui est la feuille rose, avec le contrat de location et avec votre visa. Là, on vous remettra une attestation de résidence temporaire.
Et à partir de ce moment-là, vous aurez fini vos démarches administratives pour l'entrée en Chine. C'est juste pour... Donc après le logement, l'enregistrement police, et après ça, vous pourrez vous balader. Passeport uniquement en cas de voyage. Sinon, une copie dans le téléphone, ça ne mange pas de pain. Tout ça, c'est un récapitulatif.